Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du professeur Layton et la boîte de Pandore. Et sans plus tarder, on va continuer parce que normalement, il nous donne le petit résumé. Donc c'est même pas à moi de le faire, c'est pas bien ça? Allez, c'est parti. Et on était à l'arrière du train, effectivement. Précédemment. Suivant la seule piste dont il dispose, Luke et Layton montent à bord du Molantari Express. Tous deux sont abasourdis par la somptuosité de ce train de luxe. C'est dans ce cadre grandiose qu'ils commencent leur enquête. Et tout à fait, on avait été à l'arrière du train. Alors, pour être un peu plus précis, on avait reçu une lettre du docteur Andrew Schrader, qui était le professeur, enfin qui était le mentor plutôt du professeur Layton. Et quand on a été chez lui, il était mort. Et la boîte de Pandore avait disparu. Et on avait pour seul indice ce ticket de train du Molantari Express. Et voilà pourquoi on se retrouve dans le Molantari Express. Donc on va continuer à explorer ce train. On avait déjà fait la connaissance de personnes fort sympathiques, je ne sais pas si on peut dire ça. Ah, lui, on ne le connaît pas. Alors, qui êtes-vous, monsieur? Ah, rien de tel qu'un voyage en train pour vous mettre de bonne humeur. Je suis bien d'accord. Oui, pourquoi Et pas. C'est une chance de voyager à bord de votre remarquable train, monsieur Beluga. Ah, c'est monsieur Beluga, le propriétaire. Vous me connaissez? Bien sûr, on vous connaît. Je faisais semblant de ne pas vous connaître, voyons. Bien évidemment. Ce train et son propriétaire sont fort célèbres à Londres. J'ai vu votre visage dans la presse à de nombreuses reprises. Vous avez monté votre affaire alors que vous étiez encore très jeune. C'est épatant. Que de compliments. Je suis désolé, mon ami. J'avoue ne pas vous connaître aussi bien que vous me connaissez. Comment? Mais c'est inacceptable, voyons, monsieur Beluga. Je m'appelle Herschel Layton, professeur d'archéologie et grand passionné de train. Tout à fait. La glorieuse réputation de votre train m'a donné envie de venir voyager à son bord. Voyez-vous ça? C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Layton. C'est bien ça? Eh bien, regardez-moi l'heure qu'il est. Oh, je dois vous laisser. Je vous souhaite un bon voyage. Et vous de même, vous de même. Alors, ah oui, il y avait Mamie Mystère, j'ai retrouvé son nom. J'avais oublié son nom dans le dernier épisode, il me semble que c'est Mamie Mystère. Je trouve que je dis n'importe quoi. Bien, mon cher Luc, retournons au wagon restaurant. Cette discussion m'a ouvert l'appétit. Le professeur et Luc décident de retourner au wagon-restaurant. Bien, allons-y. Je vous jure, je m'ennuie à mourir. Ce travail paye bien, mais bon, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ah, pauvre Sally. On dirait qu'il n'y a personne pour l'instant. Nous reviendrons plus tard. Très bien, et ben allons manger, allons manger. Bienvenue à nouveau, messieurs. Mille excuses pour ce contretemps. Je vais vous montrer votre table. Super! On va enfin pouvoir manger. Je partage ton enthousiasme, mon cher Luc. Waouh, regardez-moi cette carte. Il y a tellement de choix que j'en ai la tête qui tourne. Bien. Regarde là-bas. Ça ressemble à une altercation. C'est ça que vous servez à nos clients? Et vous osez vous faire appeler chef? Ce n'est pas de la haute gastronomie. Ça, c'est tout. Juste bon à nourrir des animaux. Non, pardon, c'est macaron là. Je prépare tout de suite un nouveau plat, patron. Faites donc, et retirez cette horreur de ma vue au plus vite. Tout de suite, patron. Je suis vraiment désolé de vous avoir déçu à ce point, monsieur. Encore une chose,
Ces assiettes et ce tableau sont atroces. Remplacez-les immédiatement. Mais, monsieur, ce tableau est unique. C'est le chef-d'œuvre incontesté du célèbre... Il pourrait avoir été peint par la reine elle-même. Ça ne changerait rien du tout. Remplacez-le. Bien, monsieur. Je vais faire le nécessaire au plus vite. Ah bah dis donc. Hé, c'est l'homme que nous avons rencontré tout à l'heure. Il est du genre autoritaire, on dirait. Tu veux parler de Monsieur Beluga, j'imagine. Quel dommage que ce tableau ne soit pas à son goût. Je le trouvais très réussi. En parlant de tableau, écoute donc cette énigme, mon cher Luc. Mais je suis tout oui. Chef d'œuvre. Ce tableau est composé de lignes courbes qui se croisent pour former plusieurs sections. Pour peindre l'ensemble de la toile sans qu'aucune section ne soit de la même couleur qu'une section voisine, quel est le nombre minimum de couleurs que vous devez utiliser ? La même couleur peut être utilisée plusieurs fois du moment que deux sections de même couleur ne se touchent pas. Une fois la réponse trouvée, touchez répondre et écrivez le nombre de couleurs. Très bien. Alors, note, on peut faire note, voilà. Donc, si on fait une croix ici. Ah non, pas une croix ici parce que là, ça va se toucher. Un rond. Alors, attends, section voisine, mais est-ce que là, quand oui, je pense que oui. Si on fait un carré. Donc le rond, ça ressemble à rien. Oulala, je dessine n'importe comment. Ouais, on dirait un bonhomme qui a peur, là. Oh. Parfait. Donc ensuite... A few moments later. Si on y croit, rond, et si on se dit que... Et que ça touche juste la pointe, ça compte pas. Ah non, ici par exemple, là on serait obligé du coup d'en avoir 3. Même si la pointe ne compte pas. Admettons qu'on fasse un carré. Donc je partirai sur 3 au minimum. On va tester ça. Si c'est bon. Ouf, et ben je pense qu'il n'y a que en bas en fait que ça peut poser problème. Ouais, c'est ça. Bonne réponse. Il ne vous faudra que 3 couleurs pour peindre ce tableau. Une grande partie du tableau peut être peinte avec 2 couleurs, mais il y a une zone dans le coin en bas à gauche qui doit être peinte avec. Qui doit être peinte d'une 3e couleur, pardon. Ah oui, alors moi je vous montrais certainement avec le pointeur de la souris, mais je l'enregistre pas, donc vous avez sûrement rien vu. Mais c'était, oui, dans cette zone où j'avais identifié le fait qu'il fallait 3 couleurs. Très bien. Excellent travail, Luc. Après une telle énigme et un si bon repas, nous avons bien mérité un peu de repos. Retournons dans notre compartiment. Lorsque vous progressez dans l'histoire, certains lieux peuvent devenir inaccessibles. Toutes les énigmes qui deviennent inaccessibles sont envoyées dans la réserve de Mamie Mystère. Visitez la réserve d'énigmes pour résoudre toutes ces énigmes oubliées. Les énigmes oubliées de ce chapitre vont maintenant s'afficher à l'écran. Si la liste est vide, cela signifie qu'aucune énigme n'a besoin d'être envoyée dans la réserve. Oh, ben on a oublié le petit papier. Laissez passer les petits papiers. J'ai pas du tout l'air, mais... Très bien, et ben on ira faire cette énigme des petits papiers, hein. Le professeur et Luc décident de retourner à leur compartiment dans le wagon numéro 3. Eh bien très bien, est-ce qu'ils ont des nouvelles énigmes du coup ? Oui ! Allez Chester ! Merci de votre visite, messieurs. J'espère que ce repas était à votre goût. Tout était parfait, aussi bien les plats que le service. Vous nous faites un grand honneur, monsieur. Vos compliments me vont droit au cœur.
Souhaitez-vous régler immédiatement ? Ah ben c'est pour payer, ah ben on n'aurait peut-être pas dû aller le voir. Hein. Oh, mais il me semble que j'ai égaré votre commande. Toutes mes excuses. Puis-je vous demander de m'indiquer ce que vous aviez choisi ? Ah ! Vous avez perdu notre commande, Chester ? Le festin de Luc. Eh ben dis donc, il s'est empiffré le coquin. Luc, es-tu certain que tu arriveras à manger tout cela ? Ne vous en faites pas, professeur. Je viderai complètement mon assiette. Le professeur a des raisons de s'inquiéter. Luc a non seulement commandé beaucoup de plats, mais en plus, ce qu'il a commandé coûte deux fois plus cher que ce qu'a choisi Letton. L'image ci-dessous représente tous les articles commandés, ainsi que leur prix. Touchez les prix de tous les articles qu'a commandé Luc, puis touchez valider. Alors, ok, ça fait un check. Donc il a commandé ça. Donc au total, on a du 20. 30, ça fait 50. 50 et 30, 80. Et ça fait 105. Donc 105 divisé par 3, ça fait 35. Donc il faut que... Qu'est-ce qui fait la 35 17. Ah oui, donc Letton a pu en prendre 3, donc il faut que je trouve quelque chose qui fasse 35 avec 3 articles, je pense. 30 et 14 et 13, ça fait 27 et 8, ça fait 35. Est-ce qu'on est d'accord? 17, 27 et 8, 35. Et du coup, deux fois plus, ça doit faire 70 pour Luc. Donc 25, 26, 27, 37. 44, 54, 60, 70. Donc je pense, je pense qu'on est bon, mais par contre je dois prendre tout ce qu'a commandé Luc. Ouh là là ! Et un peu plus, on se faisait avoir. Donc voilà, je pense que c'est ça. C'est parti. Et voilà ma réponse. Correct. Tout est clair désormais. Beau travail. Après un petit calcul, vous trouverez que le total des deux commandes s'élève à 105 livres. Ainsi, la commande de Luc devrait coûter 70 livres et celle de Letton 35. Sachant cela, tout devient simple. Alors, tu es certain que ça ne sera pas trop pour toi ? Non, ce ragoût est délicieux ! Et ce steak, miam, c'est excellent ! Eh ben dis donc, il a de l'appétit le petit Luc. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cet effort de mémoire. Tout est réglé maintenant. Nous n'atteindrons pas notre prochaine étape avant un certain temps. Vous devriez vous reposer. Très bien, très bien. Eh ben, on va déjà chercher. Il y a d'autres énigmes maintenant. Eh oui ! Macaron a une énigme pour nous. Pfiou ! C'était violent ! Même pour Monsieur Beluga ! Vous voulez dire qu'il s'énerve souvent contre vous comme ça ? Contre moi ou contre les autres membres du personnel ? Le patron n'est pas un homme facile à vivre. C'est terrible. Vous ne devriez pas avoir à supporter ce genre de comportement au travail. Vous savez, il n'a pas forcément tort. C'est grâce au patron que ce train a acquis sa réputation. Comme il le répète souvent, la qualité ne suffit pas. Seule l'excellence compte. Même les assiettes que nous utilisons ont été spécialement créées pour ce train. Elles sont superbement ouvragées. Même le dos des assiettes est finement décoré. Dans votre assiette. L'assiette en face de vous porte une marque faite de deux triangles équilatéraux placés l'un dans l'autre. Tout à fait. Il est clair que ce triangle situé à l'extérieur du cercle est plus grand que le triangle situé à l'intérieur. Mais pouvez-vous dire
Combien de fois plus grand exactement? Et ben, je pense que le triangle, là, on peut le mettre. Si on met le petit sur le côté, on pourrait mettre trois triangles comme ça. Donc, je dirais qu'il est trois fois plus grand. On pourrait en mettre deux au niveau de la base et un au niveau de la pointe. Comme ça, je dirais 3. Essayons. Et voilà. Oh, et ben non. Je crois que je me suis trompé. Ah, mais oui, mais oui. Bah oui. Concentrez-vous sur le plus petit des deux triangles. Ah, mais attendez, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il me manque une partie. Ah non, pas la géométrie, je me suis fait... Bah oui, bah bien sûr, si on en met un là, et pas là, il nous manque là une pointe. Bah oui, donc ça fait... Ah non, ça fait pas 4. Si, ça fait 4, ça fait 3 en bas, et 1 en haut. Bah oui, parce qu'il y a ce... Si on le fait à peu près. On va faire quelque chose comme ça. Comme ça. Donc ça, on a deux fois ça, plus il nous le faut une fois là. Oui, j'ai oublié celui-là. Donc ça fait quatre fois plus grand. Voilà ma réponse. Eh oui, bah oui, mais là j'ai perdu deux picaras bêtement, là. Je me suis précipité. Voilà, il faut pas se précipiter. Bon allez, c'est pas grave. On a quand même réussi. Alors que c'est pas mon fort. Effectivement, oui, j'ai oublié celui-là. Bonne réponse. Si vous pensez à retourner le petit triangle comme ci-dessus, il suffit d'un instant pour vous rendre compte que le grand triangle pourrait en contenir 4 petits. Eh oui. Eh bien, vous avez l'œil. Je me demande pourquoi ces assiettes déplaisent tellement à Monsieur Beluga. Aucune idée. J'imagine que les gens riches ont leurs propres critères. Très bien, très bien. Et on va retourner à l'arrière du train avant de retourner dans notre compartiment. Et comme ça, on va faire celle qu'on a oubliée. Luc, avant toute chose, nous devrions repasser par notre compartiment. D'accord, professeur. Ah, bon. Ben, on ira chez Mamie Mystère une autre fois. Tiens donc, je me demande ce qui se passe. Mon bébé, mon petit chou. Je vous ordonne de faire quelque chose! Mouillez ce train! Madame, vous devez vous calmer. Expliquez-moi la situation. Inspecteur Shelby? Quelle surprise! J'ignorais que vous étiez à bord. Tiens donc, Monsieur Layton. Le monde est petit, comme on dit. Enfin, oublions les politesses. J'ai un autre problème sur les bras. Un enfant a disparu. Cette dame a perdu la trace de son fils quelque part dans ce train. Vous ne l'auriez pas vu? Malheureusement, j'ai bien peur que nous n'ayons pas croisé de jeune garçon. Mon petit bébé est sorti tout seul et il n'est pas encore revenu. Je suis morte d'inquiétude. J'exige que vous vous mettiez à la recherche de mon petit chou, toute affaire cessante. Elle n'a pas arrêté de hurler comme ça depuis que je suis arrivé. Je comprends votre inquiétude, madame. Mon ami et moi, nous ferons une joie de vous aider. Bien, nous ferions mieux de nous mettre au travail si nous voulons retrouver votre bébé au plus vite. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, retrouvez-le. Dites-lui que mon maman est folle d'inquiétude. Les seuls indices que nous ayons sont une chaussure que le moutard a perdue, ainsi que son nom, Tom. J'ai tenté d'obtenir plus de détails de cette femme, mais sans résultat. Elle n'écoute rien et se contente de m'ordonner de fouiller le train.
Elle est à Tom, cette chaussure? Elle est vraiment toute petite, non? Effectivement, Luc. Voilà qui est curieux. Un enfant qui a des pieds de cette taille devrait être trop petit pour marcher. Je suis perplexe. À bord du Molantari Express, le petit Tom, le bébé d'Angela, semble avoir disparu. Il a laissé derrière lui un petit chausson qui semble indiquer que Tom est un tout petit garçon. Où un si jeune enfant a-t-il bien pu aller? Le professeur et Luc décident d'aider Shelmy à retrouver Tom, le bébé d'Angela. Et on parle vraiment d'un enfant? Shelmy, qu'en pensez-vous? J'avoue que je ne m'attendais pas à vous trouver à bord, inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Au cours de notre enquête, nous avons découvert le journal de votre ami, le docteur Schrader. Il mentionne ce train dans le récit des derniers jours de sa vie. J'ai donc décidé de suivre cette piste. Ceci dit, puisque cette enquête ne vous concerne en rien, je ne peux rien vous dire de plus. En outre, retrouver cet enfant disparu est ma priorité absolue pour le moment. Malheureusement, avec cette chaussure et un nom pour seul indice, c'est loin d'être gagné. Luc et moi serions heureux de vous apporter notre aide. Oh, je n'en doute pas. Je me suis renseigné sur vous, Letton. Il semble que vous ayez une certaine tendance à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Enfin, si vous tenez à m'aider, montrez-moi ce que vous valez en résolvant cette énigme. Mais avec plaisir, mon cher Shelmy, avec plaisir. Shelmy, je vais avoir du mal avec Shelmy, hein. J'ai toujours dit Shelmy. Indélicatesse. Dans un magasin, une femme paye une paire de chaussures à 30 livres avec un billet de 50. Le caissier n'a pas de monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. Un peu plus tard, la patronne du magasin voisin vient se plaindre. Le billet de 50 était un faux. Honteux, le caissier lui donne un de ses propres billets de 50 livres pour s'excuser. La cliente et les chaussures se sont bien sûr volatilisées. Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Alors, on lui a donné 50. Elle perd 30, donc il lui a donné 20 à elle. Donc il a perdu 20 livres, plus les 50 qu'il a donné à la voisine, donc il a perdu 70. Je dirais. Bon, je veux pas me précipiter, mais bon, là, je... Une grossière erreur comme ça. Voyons voir. 70. Voyons si ma théorie est la bonne. Oh purée, qu'est-ce que j'ai encore fait? Bien. Ouh, ça commence mal ce deuxième épisode. Alors. Aïe, 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 on en perd des picards, on en perd. Hein. Alors. Une femme paye une paire de chaussures à 30 livres avec un billet de 50. Le caissier n'a pas de monnaie et le... donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. Donc 20. Il a donné 50, donc lui, elle paye 30, donc il lui donne 20. Un peu plus tard, la patronne du magasin voisin vient se plaindre. Le billet de 50 était un faux. Honteux, le caissier lui donne un de ses propres billets de 50 livres pour s'excuser. La cliente et les chaussures sont bien sûr volatilisées, donc la plus 50 c'est 70. Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Alors, il y a quelque chose qui m'échappe là du coup. Parce qu'il lui a donné 20. Plus les 50 qu'il lui a donné. Ah mais non!
parce qu'il a fait de la monnaie sur 50. Donc il a récupéré 50. Il a donné 20. Et il a rendu un billet de 50. Donc il lui restait 30, donc il a perdu 20. Il lui restait 30 à lui. Il lui restait 30 des 50. Alors, attendez. Il vient, il rend 20. Donc il avait 30 de l'achat. Et il a donné 50. Donc 50. Comme il avait 30, il a perdu 20. Alors il a perdu 20. Et voilà ma réponse. Oh là 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 là. Non, c'est pas possible là. Pas un calcul de maths. Donc il a rien. 10 hours later. On va y arriver. Quel beau 4. Ah oui, mais il a vu que c'était un 6. 40. Oui, je suis confiant. Ah non. Eh bien. Ah non, Herschel. On va gagner à tous les coups. Pas vous. Vous me faites pas ça quand même. Alors est-ce qu'il a juste perdu les 30? One day later. Je me suis embarqué dans des calculs compliqués alors que c'était pas compliqué. Bon, comme d'habitude, bien voilà sûr, mais... Ma réponse. Mais c'est pas vrai, mais... Herschel. Voilà une énigme fort intéressante. 6 months later. Ah, et 30, et repère 30, donc 50. 80. On va quand même pas tous les faire, là. Mais bon, là, je crois que c'est... Herschel, voilà ne me fais pas ça. Oh, c'est pas vrai. Tiens donc... Voilà une énigme fort intéressante. Eh ben voilà, ça y est, on est embrouillé. Il a réussi à nous embrouiller, le professeur. One eternity later. Donc, il a donné 20, il a perdu 20 avec la dame. Plus les 30 des chaussures, il aurait perdu 50. Mais il a perdu juste 50. Ah oui, il a perdu 30 qui rend à sa collègue et 20 qu'il a donné à la fille. Voyons si ma théorie est la bonne. Herschel, qu'est-ce que tu m'as fait là ? Hein ? Pourquoi je vais passer moi maintenant ? Oui. Bonne réponse. Les chaussures que la cliente a emportées coûtaient 30 livres. Le caissier a rendu 20 livres en monnaie à la cliente. Au total, l'indélicatesse de cette demoiselle a donc fait perdre 50 livres au caissier. Ce caissier a reçu 50 livres en vraie monnaie lorsqu'il a échangé le faux billet, mais il a dû rembourser ce montant à la patronne du magasin voisin par la suite. Ces deux transactions s'annulent donc l'une l'autre. Voilà, l'exemple typique de partir dans des délires alors que non, il n'y a pas besoin. Ah purée, bravo. Enfin pas à moi bien sûr. Hein. Je sais pas s'il veut vraiment qu'on l'aide à chercher Tom finalement. Bien, on dirait que vous êtes à la hauteur de votre réputation finalement. Oui, on va dire ça, monsieur Chalmé. Elmi. Néanmoins, cela reste mon enquête. Je mènerai donc mes recherches sans vous. Vous pouvez toujours chercher Tom de votre côté, si ça vous chante. Oui, ben on va faire ça. On va faire ça. Alors, c'était notre compartiment, ça, ou... On dirait qu'il n'y a personne pour l'instant. Nous reviendrons plus tard. Donc non, là, c'est pas notre compartiment. On va repartir en arrière. Ah ben, il n'y a plus personne dans ce wagon-restaurant.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose ici? Une casquette? Il me semble qu'il s'agit d'une casquette, mais je doute que nous puissions l'atteindre d'ici. Cette casquette est peut-être celle de Tom, qui sait? Cette éventualité n'est pas à exclure, en effet. Et, puisque nous parlons de casquettes, vous connaissez cette énigme, professeur? Point encore. Oh, les casquettes! Nous, c'est plutôt les chapeaux haute forme, vois-tu, mon cher Luc? Une institutrice demande à ses élèves de fermer les yeux. Puis, elle leur met des casquettes sur la tête et leur dit « Ouvrez les yeux et regardez les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge, et les autres auront un ballon bleu. » Dans une classe de 10 élèves, seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge. En sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge ? Seuls quelques enfants, donc déjà il y a un S, donc ils sont au moins 2. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge. Donc il faut qu'il y ait... Si on voit 4 élèves ou plus avec une casquette rouge, donc ça veut dire qu'il y a... Pour qu'il y en ait au moins un qui ait un ballon rouge, il faut qu'il voit 4 casquettes rouges. Donc il y a au moins 4 élèves qui ont une casquette rouge. Et si ces 4 élèves ont une casquette rouge, les 6 autres... Enfin, oui, il y a 4 élèves qui ont la casquette rouge, et donc les 6 autres, ils voient au moins 4 casquettes rouges. Seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge. En sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge? Parce que si... Quatre élèves ou plus, si on voit 5 élèves, il y en a 5 élèves qui ont une casquette rouge, et bien forcément, ils voient tous au moins 4 casquettes rouges. Donc là, ils seraient les 10 à les avoir. Donc s'il n'y en a que 4, ça veut dire qu'il y a 6 élèves qui repartent avec un ballon rouge et 4 avec un bleu. Ça. Combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge? Oui, je suis confiant. Ouf. Alors reprends un peu confiance, hein, parce que l'énigme d'avant, elle m'a cassé. Hein. Correct. Bonne réponse. On sait que seuls quelques enfants ont reçu un ballon rouge et que certains d'entre eux n'en ont pas eu. Si 5 enfants ou plus avaient une casquette rouge, tous les enfants de la classe auraient eu un ballon rouge. Et si 3 enfants ou moins avaient une casquette rouge, personne n'aurait reçu de ballon rouge. Donc 4 enfants devaient porter une casquette rouge, permettant ainsi à 6 enfants de recevoir un ballon rouge. Et avec la manière en plus, on s'en est bien sortis. Mince, j'étais pourtant sûr que j'allais enfin arriver à vous coller. Dis donc, c'est le prof qui colle les élèves, mon petit. Ce sera pour la prochaine fois, Luc. Pour l'heure, essayons de retrouver ce petit garçon. Vous avez raison, nous devrions nous remettre au travail. Au fait, à votre avis, comment Tom a-t-il pu se faufiler dans un endroit aussi étroit? La bonne question. Le patron est parfois franchement insupportable, mais dans l'ensemble, j'aime bien mon métier. Très bien, mon cher Macaron. Oula. Oulalalala. Regardez ce qui se passe par là. Oh, regardez ça, professeur. Ce sont des restes de nourriture, il me semble. Vous croyez que Tom est parti chercher quelque chose à manger dans la cuisine? C'est une possibilité. Cela dit, si c'est le cas, cet enfant manque cruellement d'éducation.
Alors, est-ce que... Ah, une énigme. Waouh, ce vase a dû coûter une véritable fortune. Sans aucun doute. Cela dit, une décoration soignée fait des merveilles dans une pièce. Dis-moi, Luc, comment trouves-tu ces fleurs ? Fleurs en folie. Parmi les images A, B et C, l'une est identique à l'image originale apparaissant tout à gauche de l'écran. Les seules différences entre les deux images sont que la copie est en miroir, que les couleurs ont été inversées par rapport à l'original et que l'original est en noir et blanc. Saurez-vous trouver quelle image est la copie ? Alors, eh ben déjà, au milieu, il faut que ça soit jaune, donc ça veut dire que c'est pas la C. Enfin, je veux dire, au milieu de la fleur, au milieu de la fleur, le rond au milieu de la fleur, il faut qu'il soit jaune. Donc, ce n'est pas la C, ça va se jouer entre A et B, on est d'accord. Quelle est la différence entre A et B ? Ah, où est la différence ? Je ne vois pas. Ah, il y a un point là, à ce niveau-là. Donc ça doit être ça la différence, mais je le vois pas de l'autre côté. Je le vois pas de l'autre côté, donc je dirais que c'est la A. Mais la différence n'est pas flagrante, alors est-ce que c'est bien ça ? Non, bah je pense que c'est la A. Je pense que c'est la A. Et voilà. Correct. Je suis le digne apprenti du professeur. Bonne réponse. Ah oui, donc c'était bien ça, la petite différence, qui était subtile. L'image A est identique à l'image en noir et blanc située tout à gauche. Comme illustré ci-dessus, les images B et C sont légèrement différentes de l'image originale. Joli travail, mais il faut avouer que ce n'était pas très difficile. Allons, continuons. Oui, mais quand même, professeur... Hein ? Oula, non, 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 je veux pas la réveiller. Chut, mon bébé. Mon bébé. Comment peut-elle dormir à un moment pareil ? J'imagine qu'elle a dû s'épuiser à force de s'affoler après la disparition de son enfant. Allez, Luc. Dépêchons-nous de retrouver Tom afin qu'elle puisse être apaisée. Et une petite pièce SOS. Une deuxième. C'est très bien de voler ça aux madames, mais enfin bon, on va pas s'en priver. On a besoin un peu plus tard. Oh! Tout va bien, mademoiselle ? Je vais bien, merci. Si vous voulez bien m'excuser ? Dites, j'ai l'impression de la connaître, pas vous ? Maintenant que tu m'en parles, sa silhouette avait effectivement quelque chose de... familier. C'était la personne qui nous suivait. Bien sûr, on se doute très fortement de qui c'est. Tiens, c'est vous. Vous désirez un rafraîchissement ? Ou peut-être un petit encas ? Désolé, mademoiselle. Pour l'heure, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant. Auriez-vous vu un petit garçon se promener tout seul par ici ? Un petit garçon ?
Non, désolé, monsieur, ça ne me dit rien du tout. Dites donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il s'est perdu à bord du train? Oui, et malheureusement, nous avons du mal à retrouver sa trace. Vous savez, je ne devrais sans doute pas répandre de telles rumeurs, mais bon... Il y a une vieille dame un peu bizarre qui voyage dans ce compartiment. Et si elle avait capturé le petit et qu'elle le retenait en otage ici? Je ne pense pas que ça soit le cas, mais si c'était vrai, elle est tellement bizarroïde que ça pourrait être crédible. Mais bon, je vais avoir des ennuis si je colporte des rumeurs sur les clients, alors je me tais. Une vieille femme étrange, hein? Je me demande si c'est celle à laquelle je pense. Qui sait, Luc? On est en droit de se poser la question. Eh bien, on va aller voir d'ailleurs parce que elle a une énigme pour nous. Salut les jeunes! Ça vous arrive de vous sentir tout petit devant l'immense difficulté d'une énigme? Eh bien, ne craignez rien, la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère est là pour vous aider. J'en étais sûr! Qui d'autre se promènerait avec cette petite maison? Hé, une seconde, qu'est-ce que vous faites ici d'abord? Alors, tu as entendu parler de moi, mon petit? Contente de voir que j'ai toujours la cote? Évidemment que j'ai entendu parler de vous, on s'est déjà rencontrés, vous avez oublié? Aucune chance, je pense que tu me confonds avec une autre mamie, mon garçon, je ne t'ai jamais vu. Enfin, si vous êtes venus ici tous les deux, c'est pour écouter mon petit discours, pas vrai? Inutile d'être aussi timide! J'ai bien l'intention de vous remercier de votre visite. Laissez-moi vous donner quelques petits conseils. Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées. Comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, non? Allons, cela arrive même au meilleur. Vous voyez? Ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passé. Eh bien, je m'occupe d'elles. Je les invite à rester avec moi. Jetez un œil à ma réserve. Vous y trouverez peut-être quelques énigmes délaissées. Si la réserve est vide, vous n'aurez qu'à repasser plus tard. Allez donc voir par vous-même si quelque chose vous attend dans la réserve. Eh bien, on y va, mamie. Parce qu'on a oublié les petits papiers. C'est parti. Dipikara. Après avoir essayé de plier un bout de papier en deux, vous remarquez que l'un des côtés du papier plié est plus long que l'autre d'un centimètre. D'une nature perfectionniste, vous repliez le bout de papier et vous rendez compte que cette fois, c'est l'autre côté qui est plus long d'un centimètre. Maintenant que deux plis visibles sur le bout de papier déplié, deux plis sont visibles sur le bout de papier déplié. Trouvez quelle est la distance en millimètres qui sépare ces deux plis. Ah, alors attendez, ça dépasse de combien? 1 cm. Et on a fait 1 cm de l'autre côté. On n'est pas bon en pliage. Hein. Bon. Bravo. Hein. Alors on fait ça, ça dépasse de 1 cm. Ensuite, on fait ça, ça dépasse... 1 cm dans l'autre sens. Pour revenir d'un centimètre, je dirais qu'il y a 1 cm. Entre les deux traits. Ce qui nous ferait une distance de 10 mm. Et que le milieu serait à 5 mm. Parce que si on plie 5 mm de moins d'un côté, eh ben on sera bon. Et donc je dirais qu'il y a 10 mm. Oui, je suis confiant. Le piège était de passer de centimètre à millimètre, je pense. Toute énigme a une solution. Correct. Enfin, si toutefois il y avait un piège. Bonne réponse. La distance entre ces deux plis est d'un centimètre, soit 10 mm. Pour visualiser cette réponse, imaginez la partie extérieure d'une boîte d'allumettes dont la hauteur serait d'un centimètre, comme sur l'image ci-dessus. Maintenant, imaginez qu'un côté de la boîte
où se trouve un grattoir a été retiré. Si vous mettez les trois côtés restants à plat, vous vous retrouvez avec un patron qui correspond parfaitement à votre petit papier avec ses deux pliures. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ça. C'était mieux avec le petit papier, on comprenait bien déjà. Hein. Donc c'est vide, très bien. Voilà, c'est mieux. Très bien. À plus tard, mamie. Oh, qui êtes-vous? Oh, des passagers! Désolé, messieurs! Je ne voudrais pas vous empêcher de profiter du paysage! Alors, Hank, c'est peut-être pas forcément allemand, hein? Qu'est-ce que c'est que cet accent allemand? Vous n'êtes donc pas un passager? Non, non! Je ne suis que le mécanicien! Je suis là pour intervenir en cas de besoin! Mais le Molantari Express est en pleine forme! Je n'ai pas grand-chose à faire! J'ai beaucoup de temps libre! Du coup, j'invente des énigmes! Que pensez-vous de celle-ci? En plus, c'est pas du tout la voix qui va avec son visage. Hein. Pas sérieux, ça. Il va falloir retravailler. Échappée sauvage. Après des années difficiles, un zoo arrive à court d'argent pour nourrir ses animaux. Privé de nourriture pendant des jours, ces derniers échafaudent un plan d'évasion. Après avoir réussi à ouvrir les grilles de leur cage, tous les animaux tentent de trouver leur chemin dans ce labyrinthe afin d'atteindre la sortie. Touchez l'icône des animaux qui, selon vous, vont réussir à sortir sains et saufs du zoo, puis toucher valider. Mais n'oubliez pas, les années de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct sauvage de ces animaux. Touchez l'icône des animaux qui, selon vous, vont réussir à sortir. Alors, le petit panda, là, déjà, il passe par où? Il passe par là. Hop. Alors, la sortie, il n'y en a que... Ah oui, mais il y a le crocodile ici. Non, mais il peut même pas sortir le panda ici. Là il peut pas sortir. Par là il peut pas. Là il y a le crocodile donc il peut pas. Hop. Le panda il peut pas sortir. Alors, je pense que le panda peut pas sortir. Donc, si le panda peut pas sortir, le crocodile peut pas sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas trop ce que c'est cet animal au milieu là. Le jaune, enfin qui est dans le fond avec fond vert. Je dirais qu'il peut pas sortir non plus. Ensuite, le lapin. Le lapin, déjà, il est avec le lion. Alors, le lapin pourrait sortir, mais il doit passer devant le lion. Plus embêtant. Et je dirais que la girafe ne peut pas sortir. Je dirais qu'il n'y a que le lion. La sortie, c'est bien la flèche jaune. Donc il n'y a que le lapin et le lion qui pourraient sortir, mais comme ils disent, l'instinct animal, le lion va peut-être manger le lapin. Alors attends, ce qu'on va faire, on va prendre depuis la sortie. Par où? Hop là, c'est bloqué. Bah pour moi, il n'y a que le lion. Allons-y. Et voilà ma réponse. Correct. Ah ah, tout à fait remarquable. Beau travail. Le seul animal qui retrouvera la liberté sain et sauf est le lion. En effet, le lion et le lapin peuvent tous deux arriver jusqu'à la sortie. Mais dès que le lion verra le lapin, il n'en fera qu'une bouchée. La nature est parfois cruelle. Hé hey, qu'est-ce qui vous prend? Où est le plaisir si vous résolvez les énigmes aussi vite?
Si, c'est toujours très satisfaisant d'avoir juste une énigme. Hein. Vous savez, mon bon ami. Alors, très bien. Donc ça, on a vu. Donc on va retourner par là-bas. Hop. Monsieur Chalmet, enchanté. Madame, nous ne vous connaissons point. Pardonnez-moi, madame. Avez-vous vu passer un petit garçon avec une seule chaussure par ici? Non, je ne crois pas. Un garçon avec une seule chaussure? Je pense que je m'en serais souvenu. Je perds la boule, hein. Je vois. Bien, merci de... Oh, puisque vous me parlez de chaussures, puis-je vous demander de m'aider à résoudre ce problème? À petits pas. Voici une grille dont les cases contiennent des chaussures. Votre objectif est de partir du point de départ et de rejoindre l'arrivée. Ok. Vous ne pouvez vous déplacer qu'horizontalement ou verticalement, une case à la fois. Mais attention, vous devez alterner entre chaussure droite et chaussure gauche à chaque déplacement. De plus, vous ne pouvez pas traverser les murs. Touchez les cases l'une après l'autre pour tracer le chemin à prendre. Toucher une case déjà sélectionnée permet d'annuler la sélection. Ok, les murs. Ah oui. Alors, si on fait tout simplement ça... Bien sûr. Ça aurait été trop facile. Donc c'est pas par là parce qu'il faut pas aller en haut. Et là on peut pas redescendre. Donc je pense qu'on doit passer par là, on peut pas aller par là. Gauche. Voilà. Et non, là on est bloqué. Gauche, droite, gauche, droite. Ah. Alors, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, plus que droite. Donc, par là. Et gauche. Ah bah si, gauche. Droite. Gauche. Droite. Non. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Alors gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok. Je crois que c'est Voyons ça. Voyons si ma théorie est la bonne. Correct. Tout est clair désormais. Beau travail. Ce n'est pas très difficile si on avance à petits pas. Tout à fait. Eh bien, ça c'est une surprise. Qui aurait cru que vous étiez capable de ce genre de choses? Dis donc, Madame Clarisse, même? Donc ça, c'est chez nous. Hop. Aïe, 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 je suis fini. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? De quoi? Oh, salut! Voilà, j'ai emprunté l'appareil photo de mon oncle. Et je l'ai un peu cassé. Ça fait des heures que je cherche toutes les pièces, mais j'en ai trouvé qu'une. Voilà une situation embarrassante. Comme vous dites, et si le Big Boss l'apprend, je vais me faire incendier. Waouh, viens d'avoir une super idée. Je vais vous filer le machin tout cassé, d'accord? Vous en faites ce que vous voulez.
Vous pouvez même le jeter, c'est à vous de voir. Allez, à plus, et merci. Mais, revenez! L'option appareil photo est maintenant disponible dans la valise du professeur. Vous obtenez un connecteur, cela vous permettra de réparer l'appareil photo. L'option appareil photo est maintenant disponible dans la valise du professeur. Pour y accéder, il suffit de toucher la valise, puis l'icône appareil photo. Ok, ok. Hey, je sais que vous mourrez d'envie de voir ce qu'il y a derrière cette porte, mais c'est pas possible. On ne pourrait pas juste jeter un petit coup d'œil, très rapide? Non et non, Junior. Il faut un billet pour franchir cette porte. Oubliez ça, les amis. Pour vous aider à oublier, je vous propose une petite énigme. Ça vous branche? Eh bien, allez, voyage en train. Un nombre indéterminé de passagers voyage à bord d'un train. Au premier arrêt, un sixième des passagers descend du train. Au deuxième arrêt, un cinquième d'entre eux descend. Il en va de même pour les autres arrêts, c'est-à-dire qu'à l'arrêt suivant, un quart des gens descendent. Un quart des gens descendent. Puis un tiers au suivant, puis un demi au suivant. Quand le train atteint son terminus, tout le monde descend du train. Si personne n'est monté dans le train durant le trajet, quel est le nombre minimum de personnes qui se trouvaient à bord au départ ? Ben 6. Premier arrêt, il y en a 1 sur 6 qui descend. Ensuite, il y en a 1 sur 5. 1 sur 4. Et tout le monde descend du train. Et il y en avait 1 sur 2, donc je dirais 6. Et le nombre minimum. Et voilà. Correct. Trop facile. Beau travail. Si vous considérez que 6 passagers ont pris place à bord du train au départ, alors cela signifie qu'une seule personne est descendue à chaque arrêt. Cette énigme peut être compliquée si vous oubliez de soustraire le nombre de passagers qui sont descendus à celui des passagers toujours à bord. Ah, oui. C'est possible. La classe, bien joué. Bien, vous feriez mieux de filer maintenant, capiche? Si les passagers qui voyagent en première vous voient débarquer, c'est sur moi que ça va retomber. Très bien, très bien. Eh ben, on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode du Professeur Layton et la boîte de Pandore. Donc c'était plus axé sur les énigmes, quoiqu'on en a résolu 10 comme la dernière fois, donc finalement non, quoi, plus que ça. J'ai surtout bien lutté sur une énigme, donc je pense que ça va être coupé au montage et que vous allez, ça va durer moins de temps pour vous que pour moi. En tout cas, eh ben, on avance, on doit chercher Tom cette fois, le petit de Angela. Je ne suis pas sûr que Tom soit un garçon. Enfin, c'est un garçon, mais pas un humain, je pense. On a croisé quelqu'un qui était caché, hein, mais qu'on a quand même grosso modo reconnu, qui portait d'ailleurs un chien. Donc, est-ce que c'était Tom? Est-ce qu'elle aurait ramené Tom? Si ça se trouve, on retourne dans le compartiment de Angela et peut-être que Tom est là avec cette petite fille mystérieuse. Mais pour le savoir, il faudra qu'on continue et on verra la suite dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce let's play du Professeur Layton. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos ménages. Ciao.